un autre exploit. Maintenant, je vais monter. On est passé au-dessus de ce bol. Vous vous rendez compte? On va chercher un petit les sangliers qu'on mangeait ici. Ça, c'est de la boule que mangent les chimpanzés. Et je pense que tout ce que les chimpanzés mangent, nous les humains on peut manger aussi. C'est comestible. C'est sucré. Ouais. Avant, j'ai mangé ça. Je me rappelle que mon père, en brousse, nous apportait ces choses-là. Il y en a tellement de fruits ici que les chimpanzés ont tout fini. Donc, j'ai pu avoir ça. Je mange. C'est très bon. C'est vraiment très très bon. Vous voyez? Si les chimpanzés mangent ça, nous les humains peut manger sans rien avoir. J'ai une chenille qui m'a piqué là, c'est brûlant, donc je suis obligé de mouiller la face et puis voilà quoi. Allez, on continue notre expédition. Je pense qu'on cherche à sortir, hein. Chercher à prêter. Donc, par ici, c'est fermé.
te donner tout. Que les pistes là, c'est les pistes des animaux. On passe par là. Moi, je ne peux que suivre les traces des bêtes. Oh, merde. Oh, c'est dur. C'est fort, c'est en train de monter. Le talon est grave. Salut les amis, nous sommes à la fin de l'expédition dans la forêt équatoriale du Gabon. Je vous invite tous à liker ma vidéo et vous encourage à venir un jour visiter la forêt équatoriale du Gabon. Il y en a tellement de bonnes choses que l'on peut explorer là-dedans. Il y a le bois, il y a les animaux, il y a des insectes, il y en a beaucoup de choses. Vraiment, je vous invite à venir visiter la forêt équatoriale du Gabon. Allez, on se dit au revoir, à la prochaine fois.